Bonjour. Bonjour. Bah, bienvenue à nouveau parmi nous. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, à l'oreille, je dirais qu'il y avait un bon goulot. C'est bien tombé dans le verre. Et le nez t'a choqué. Et j'ai senti des arômes là que je vais pas dire ce que j'ai senti parce que je c'est pas possible. Il y a trop de réduction en fait pour le vin là. Il faudrait quasiment le carafer pour pouvoir le goûter. Je sais pas ce qu'on va en faire. J'ai quand même ressenti cette odeur. Ah oui, c'est quand même incroyable. Ça fait blanc. Mais blanc très réduit. Voire... Ça peut être en rouge aussi. Hein. Oui. À la bouche, par contre, c'est bien. À la bouche, ça fait blanc du sud-ouest. C'est marrant, moi je mettrais un rouge. Oui, mais tu vois ce que je veux dire dans certains blancs charnus. Un pinot noir d'Alsace ou un Beaujolais. Ah non. En Beaujolais. Franchement, je reste sur le blanc. Mais un blanc. Moi, je reste sur le rouge. Ah oui, moi je serais blanc sud-ouest. Mais la réduction. La réduction est étonnante. Donc du vin nature. Ou non, ou un vin qui a été embouteillé un peu tôt. Pas assez de fût, peut-être. Oui. Mettons du fût. Allez. Ah. Un fût neuf. Vanillé. Un peu de vanille. Ouais, ok. Alors, le dosage, une goutte. Une goutte. Parfait. Ah oui, là, déjà, ça change tout. Alors, par contre, c'est bien absorbé par le vin. Ben, ça fait disparaître la réduction. Ça aide certainement, puis il y a bon le fait que ça s'est un peu aéré. Avec la vanille, c'est trompeur, ça relève. Ça relève le côté que tu dis rouge. Ouais, ben alors là, la vanille, je trouve que ça tue le vin. Au nez, ça allait. En bouche, ça tue. Là, on sent le boisé. Donc, ça ne serait pas le boisé, notre problème. C'est juste un problème de couleur. Allez, je reste dans un blanc du sud-ouest. Pour moi, c'est un rouge. Rouge nature. Il est très acide, donc au-dessus, au nord. D'accord. Un prix ? Oui, un prix sur mon blanc sud-ouest, nord du sud-ouest, hein, pas sud-pyrénéen. Dans cette idée-là, je serais sur un prix autour de 12-15 euros. Et ça pourrait me convenir. Ouais, pareil pour mon rouge. Verdict. C'est un blanc. Ah oui, non, mais là, c'est de la triche. Bon, évidemment, alors ok. D'accord. Donc, c'est un blanc, mais du nord. Mais c'est un blanc non filtré, non collé, nature, avec plein de matière. Donc, ça, c'est logique qu'on puisse penser ou à un rouge ou à un... Blanc du sud-ouest, plus riche. Donc, Côte des Molières de nos amis Perrault. C'est Chardonnay et un peu de Sauvignon. Mais à carafé, obligatoirement. À carafé, obligatoirement. Il y a un peu de Sauvignon. Moi, j'ai déjà goûté leur Sauvignon pur. C'est très joli. Et voilà, ça donne quelque chose d'original. On est quand même dans les terres du Beaujolais. Donc, conclusion, 15 euros, eh ben, on était dedans. Pour un vin bio. Ça le mérite, c'est bio, c'est propre, c'est nature, c'est très bien fait, ce sont des gens charmants. C'est une région qui mérite d'être connue par tous les amateurs de vin, beaucoup plus complexe que l'image qu'on en donne. Et je vous conseille de boire ce vin-là. Voilà, je me suis fait piéger, mais je ne suis pas le seul. Donc, Michel Thomer en a fait une BD extraordinaire. Mimi, Fifi et Glouglou, c'est à lire avec plaisir. Le récit de trois dégustateurs, en quelques images, ils montrent quelles sont les difficultés pour déguster et que la dégustation à l'aveugle est un exercice périlleux, même pour un amateur de vin et même pour un connaisseur de vin. À lire sans modération. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine.